Et on se retrouve pour un nouvel et la suite des aventures de 47. C'est parti, briefing. 47, ici Diana de l'agence. Les événements ont pris une tournure particulière pour notre client, Sergei Zavoratko. Il se trouve qu'il est en fait le terroriste qui s'est fait voler ses armes nucléaires par le culte indien. Les Nations Unies pensent que Sergei trempe dans un gigantesque trafic d'armes nucléaires et chimiques. L'ONU n'a aucun mandat pour ce genre de méfaits, mais veut tout de même éliminer ce terroriste international, et c'est là que nous entrons en jeu. C'est tout à fait contre nos principes d'accepter un contrat contre l'un de nos anciens clients. Mais pour les Nations Unies, nous ferons une exception. Et comme vous connaissez déjà la région et que vous êtes le meilleur sur le marché, nous vous avons choisi pour cette mission. Sergueï occupe toujours le même bureau à Saint-Pétersbourg, là où vous avez accompli votre première mission pour nous. Vous vous souvenez? Il est sûrement devenu parano depuis ce temps. Examinez votre carte, rafraîchissez-vous la mémoire et rendez-vous sur place. Lorsque vous arriverez en métro, vous trouverez votre équipement dans le casier 137, dans la station. Pour rentrer, vous devrez aussi emprunter le métro. 47, je répète. Éliminez notre ancien client, Sergueï Zavoratko, dans son bureau, au premier étage du bâtiment Zaitsev, place Pushkin, même lieu, même méthode 47. Bonne chance. Ok, vous l'avez compris, on se retourne à Saint... Et c'est parti pour la petite mission de Saint-Pétersbourg. Rendez-vous à Saint-Pétersbourg. Alors, je ne vais pas récupérer l'arme qu'il y a dans mon casier, car cette mission est un fake. Je l'attendais depuis le début que j'ai commencé mon let's play. C'est la mission, et même en réalisant la Solus, la mission fake. Il faut savoir qu'on va nous demander de récupérer donc notre arme, bien sûr. Et que malheureusement, quand on va essayer de tuer la personne qu'on doit tuer, il ne s'agit pas de la personne qu'on doit tuer. Il s'agit tout simplement d'un beau fake. Il s'agit d'un clone à nous. Ils appellent ça un clone. Pour moi, oui, c'est un clone, c'est vrai. Et il faut tout simplement l'assassiner. Mais pas besoin de ça, en fait. On passe derrière lui, on l'étrangle, quoi. Donc ça sert à rien de se casser la tête, à perdre son temps. On récupère un sniper. Et à se faire chier, je vous le dis. Se faire chier à trouver aussi les munitions. Pour il ne nous donne pas les munitions, sachez-le. Pour rien, en fait. Alors qu'on peut rush directement. On peut rush comme ça facilement, tu vois. On va rusher dans le bâtiment. Il n'y a pas de garde à l'entrée. Vous avez remarqué que cette fois, il y a pas, il y a des gardes. Il y a des gardes à l'arrière, mais pas à l'avant. Wow, vous avez entendu ça? Ok, il nous a déjà tiré dessus, donc il doit savoir qu'on est là. Voilà, ceci est notre double. Et on va devoir l'assassiner, tout simplement. Il nous ressemble pas trop, hein. Mais je crois qu'il a le même code barre dans la tête, il me semble. Non, même pas. Et voilà. On a assassiné la personne qu'on devait assassiner. C'était donc notre clone. Un autre frère. Je croyais vous avoir tous liquidés. Je me demande bien qui essaie de me tuer en utilisant cette pâle copie. 17, vous avez un problème? Au rapport, 17. Il a mordu à l'hameçon. Qu'est-ce qu'il y a, 17? Vous êtes là? Où êtes-vous? Loin d'ici, pourquoi? 17, pourquoi vous voulez savoir? Sergueï, il n'y a plus de 17. Ici, 47. 47? Mais je... Votre meilleur coup n'était pas encore assez bon, Sergueï. Et maintenant, lâchez-moi où je vous ai pris. Il doit y avoir un malentendu, très cher. Moi et mon ami Vittorio pensons que... Vittorio est avec vous? Disons qu'il me sert de police d'assurance. Sergueï, mêler Vittorio à tout ça était votre dernière erreur, vous m'entendez? Mettre en scène son propre assassinat, se faire doubler, je commence à en avoir ma claque de ces petits jeux. Ouais, on va se venger, t'inquiète pas ma gueule.
Je prends quand même ses vêtements, comme ça je ressemble à 17. Ouais, alors là ils ont sorti quand même le flingue. On va éviter de la faire chier. On va prendre le métro en fonce direct. Et du coup je pense que ce sera directement le dernier épisode les amis. Pourquoi? Parce que cette mission a été faite en 2 secondes. Et on va directement foncer, foncer sauver Vittorio. Donc il s'agit vraiment véritablement du dernier épisode sur Hitman, Hitman 2, rendez-vous compte. On a enfin fini Hitman 2 et on va pouvoir passer à la suite. Enfin, je suis un peu pressé, on n'est pas encore à la fin là. Donc on va éviter de se faire percuter par une voiture. Le meilleur moyen c'est de sauvegarder pour être sûr. Voilà. Ah, il s'est arrêté. Il lui manque un rétro droit. Hein. Faut savoir qu'en Russie, tu conduis sans rétro droit. Ils sont forts en Russie. Waouh, waouh, waouh. Vous me faites quoi là? Vous me faites quoi, les amis? Waouh, c'est ce que j'avais dit. Faut pas que j'aille par là. Tiens, j'étais tellement pressé que je me suis pas rendu compte de ce que je faisais là. Allez, je me casse. Par là. Allez, on se casse. On se casse, les amis. Un homme chauve suspect, d'accord. Merci, les amis. Oh, les mecs, ils m'attendent, quoi. Garde des alentours et l'arté. Ouh, moi je parlais de partir directement sur l'autre mission. Et là, ça va être un poil plus chaud. Ok, ok. J'ai regardé un peu sur internet les solutions, mais il n'y en a pas tellement. Ok, je passe tranquille. No Susai. Putain, là, il y en a v'là les clones là. Moi, je regardais sur internet s'il y avait une technique spéciale pour rentrer. Pourquoi là. La dernière fois, je suis passé par le métro, je me suis pas fait buter. Et là, boum, je me suis pris une balle. Je sais pas d'où. Ça, c'est chiant. Non, vraiment, il boucle tout le périmètre là. Faut vraiment que je sorte d'ici. T'as la musique bien oppressante quoi. J'ai jamais vu ça. Ah, chez Hitman, ils adorent mettre des musiques oppressantes. Hein. Pendant tout le jour, on a eu ça quoi. J'ai même eu des trucs de copyright sur ma chaîne YouTube à cause d'eux. Hein. Tellement la musique elle s'est fait. Oui, cours mon ami, cours. Ouais, je suis dans un sale pétrin, mais tu m'auras pas. Cours. Putain, le mec, il a OSPA 12 là, ou je sais pas quoi, le fusil à pompe le plus puissant du monde. Professionnel. Ouh, les amis, on a réussi. Et là, on est parti pour la dernière et ultime mission. Et je coupe pas, c'est le même épisode. C'est parti. Rédemption, les amis, rédemption. Il faut savoir que là, on va devoir aller récupérer nos armes ici, les amis. Ouais, alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors. Dites-vous que c'est pas facile hein. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Sachant que j'ai aucune arme, donc là faut vraiment.
Allez, allez, allez. Fonce. Oh, non, je pourrais pas. Faut vraiment rusher. Allez, on rush. Rush. Wow, on se calme. Ok. Ok. Wow. Ok. Pistolet SD. Il me faut les belleurs. C'est les belleurs qui me... Prenez tout ce qu'il y a là. Allez, on prend tout ce qu'on peut. Ok. AK-47, les amis, on prend. Allez, hop. Better. C'est parti. Ouais. What? Non. Bon, faut pas se laisser faire. Allez, on rush, on rush, on rush. Faut oublier l'assassin silencieux, sinon il tue notre le père Victorio. Bon, franchement, on a pas trop le temps. Allez, on fonce direct. On fonce direct. Hop, hop, on évite les balles, on évite les balles. Ok. Ok. Donc on va attendre. Ok, hop, on rouvre. Donc je vous ai dit les amis, il faut prendre les balleurs. Le pistolet SD. Et mag. Voilà, faut prendre ça max. Faut prendre le fusil, le AK-47. Et on va prendre... Allez hop. On sauvegarde. Ouais, il faut savoir que là faut vraiment rush. On perd pas de temps, rien du tout. C'est un massacre ici. Hein. Ok. Ok. Ok, ça c'est bon. Ok, on passe tranquille. Mec, avec sa vieille moustache, je croyais me faire la... Putain, j'ai plus de munitions quasiment. Oh les belleurs, j'ai pas pris de munitions. Oh le seum.
Oh le seum, vas-y enfonce. Allez, on va réussir à se les faire. Faut pas se laisser faire là. Ok, crochette la porte. Clé de l'église s'est ramassée. Ok. Ils nous attendent en haut dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église? On va essayer de passer par là. Ok. Ok, donc là il y a personne. Ok. Ok. Ok, on re-sauvegarde. Ok. Enfonce. Non. Il en maquait un. C'est chaud. Faut savoir les amis que là j'ai plus qu'un PV. Enfin. Ok, il est là. Wow, faut le voir. Faut le voir et le vouloir aussi. Ok.
Ok. Chasser le diable de votre cœur n'est pas difficile si votre... Voilà, c'est fait. Ah ouais. Faut que je passe par l'autre côté. Sauve-toi en tuant. Mais faut faire comment là? Voilà. Je vais te tuer. Tu m'entends? Oh, oh oui, c'est de la triche, d'accord. Bon. Pouf. On s'y remet, allez, allez, allez. Vraiment, là, c'est travaux d'artiste. Ok, oh, ça c'est fait. Ok. Ok, hop, ça c'est fait. Posez vos armes, mon ami. Écoutez parler votre cœur et vous n'aurez pas lieu d'avoir peur dans la maison de Dieu. Voilà, faut tirer dans le cœur. Je vais te tuer. Tu m'entends? Voilà. On a réussi. Et je vous laisse la cinématique de fin. Oh putain. Mon fils, je savais que vous reviendriez. Tenez, prenez ça. Cela vous protégera en éloignant le mal. Priez pour moi, mon fils, et promettez-moi que vous suivrez la bonne voie. Promettez-moi que vous suivrez le droit chemin. Promettez-moi que vous ne ferez rien de mal. Promettez. Je vous le promets. Vous avez été un ami loyal envers moi, mais je dois partir maintenant. Je serai plus utile ailleurs. Mon fils, prenez soin de vous et portez ce crucifix en souvenir de moi, qu'il vous protège et vous délivre du mal. Merci mon père, je dois y aller, je n'oublierai jamais. J'ai toujours su que je n'appartenais pas au même monde. Je ne suis pas fait pour ça. Mes amis deviennent des ennemis, et mes alliés des traîtres. Mais je n'oublierai jamais ceux qui m'ont trahi, et ceux en qui j'ai toujours pu avoir confiance. Je quitterai Gontrano en ayant retenu une bonne leçon. Ne jamais faire confiance à quiconque. Me fier à mes instincts. Oubliez le passé. Je ne trouverai jamais la paix ici. Je ferai donc ma propre justice. Je choisirai ma propre vérité. Et voilà, c'était Hitman 2 Silent Assassin sur PC. Un display qu'on a enfin terminé. J'espère que ça vous a plu. Personnellement, moi, oui. On reste sur cette image de croix qui se balance, mais normalement, il devrait avoir le crédit. Mais le crédit doit bugger. Et en tout cas, ça a été une bonne histoire pour moi de la partager avec vous. Et on se retrouve pour le prochain Hitman qui s'appelle Hitman Contract. Un Hitman que j'apprécie pas forcément, mais qui a quand même un bon gameplay. Donc vous verrez, on verra ça ensemble. Et je vous retrouve pour le prochain Let's Play sur Hitman ou bien sur d'autres jeux.
Bye.